Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine parce que vraiment, il fait-tu frette dans cet incite? Hein? Hey, franchement, là, c'est rare de voir les températures de cette date-ci aussi fraîches, là. C'est pas frette, c'est plus le mot que fraîche, là, vraiment. Écoute, on va s'en sortir, on est des Québécois. Donc on sait où qu'on s'en va, hein? On connaît ça, déjà notre première tempête, déjà dans la cravate. Écoute, c'est pas facile, mais il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire notre menu, à faire nos repas, à économiser de l'argent, bien sûr. Donc, j'ai vérifié pour toi, bien sûr, cette semaine, hein, du 21 au 27 novembre. Écoute, on est à un mois de Noël, t'y penses-tu? Seigneur, les enfants finissent bientôt l'école, là. En tout cas, la première session. Pff, écoute, commençons tout de suite avec IGA cette semaine chez IGA. Ben, écoute, le bœuf haché mi-mai, 2,49 la livre. Si tu préfères 5,49 le kilo, ça, écoute, c'est sûr que pour du mi-mai, 2,49, ça a bien du bon sens, surtout que c'est le temps de faire des tartes. Tu sais, quand on fait des tartes, des saucisses, là, le mi-mai, c'est là qu'on va s'en servir le plus, dans le fond. Hein? C'est pas quand on fait une boulette pour un burger, là, c'est sûr qu'on ne prend pas du mi-mai. Mais pour les sauces, les tourtières, c'est quand même bien. Aussi, chez IGA, écoute, les crevettes sauvages. Écoute, les crevettes sauvages, là. Moi, c'est vraiment les meilleurs, ceux-là. C'est le sac de 2 livres, les 908 grammes. Normalement, ça, c'est des 20-30. Souvent, ils font des 26-30. Là, c'est des 20-30. Mais là, il est vraiment pas cher parce qu'au lieu de 27$, il est 15$ le sac. Puis c'est une caisse de 6 sacs. Donc, ça t'en vient à 75$. C'est sûr que là, ça te prend de la place pour le mettre dans un congélateur, mais c'est sûr que dans des sacs, hein, ça se met bien là, en boule dans un congélateur si tu ne peux pas le laisser dans la boîte. Idéalement, c'est de laisser, quand on fait congeler quelque chose, n'importe quoi, que ce soit des crevettes, du steak, du porc, du poulet, ben, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, dans le congélateur, ben, ça brûle. Hein, quand on dit, il goûte le congélateur, c'est pas ça qu'on veut. Hein, on achète du stock pour que ce soit bon. Maintenant, c'est sûr que si ça, tu vas me dire que ça ne durera pas une éternité, mais quand même, l'idée, c'est que il faut mettre, bien sûr, dans des sacs qui vont au congélateur, mais ce n'est pas suffisant pour pas que ça goûte. Idéalement, c'est que tu prends ce sac-là puis tu le mets dans une boîte ou dans un sac en papier. Hein, tu sais, les sacs en papier qu'ils nous donnent à l'épicerie, là, souvent, là, tu gardes ça, puis tu t'en sers pour mettre tes sacs qui vont au congélateur. Tu mets tes sacs dans les sacs. OK? Puis là, vraiment, ça aide énormément, là. Tu peux quasiment doubler, là, la durée dans le congélateur sans que ça brûle ta viande. En tout cas, c'est sûr qu'il y a toujours une limite à tout, là. Mais ça, c'est le meilleur truc que je peux te donner. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un petit congélateur en bas, donc je vais pouvoir mettre la boîte directement. Fait que je laisse mes sacs dans la boîte. Fait que dans ce cas-là, j'ai une chance de les garder plus longtemps. Mais écoute, à ce prix-là, là, 15$ pour des 2 livres. À cette grosseur-là, c'est des belles grosses crevettes. Vraiment, là, c'est vraiment super. Ce spécial-là, c'est pas un spécial récurrent. Je pense que je l'ai vu. Ça fait des mois que je l'ai vu. J'ai hâte de voir, là, quand je vais faire ma liste, là, comme il faut. Je vais te le marquer, là. Je suis certain que ça va faire au moins 3 mois qu'on n'a pas vu, ce spécial-là. Donc, c'est sûr que moi, je vais en acheter. Il me reste un sac de ça. Ça donne juste parfait. Donc, continue aussi chez IGA avec, bon, écoute. C'est pas fantastique, la saucisse, la saucisse, ça reste de la saucisse. Surtout de la saucisse genre hot dog. Mais là, c'est la petite saucisse là, à cocktail. Hein? Souvent, puis ça se garde, c'est sous vide. Hein? Ça se garde soit longtemps. Puis cette semaine, ils font un gros spécial chez IGA. Tu achètes 10 paquets, c'est des 225 grammes, donc c'est des demi-livres. D'une demi-livre. Tu peux mettre ça dans une petite sauce VH, là, tu sais, style à l'ail, là, tu sais, faire tremper ça là-dedans. Toi, on aime ça, des saucisses cocktail qu'on appelle, là, tu sais, dans sauce noire, là, tu sais, que je veux dire, tu as déjà mangé ça, c'est sûr. Donc là, une fois de temps en temps, ça, c'est quelque chose qui peut être le fun. Donc, cette semaine, écoute, à une pièce et demie, ça revient à une pièce et demie le paquet. Donc, 15 pièces pour 10 paquets sous vide. Donc, hein, ça, c'est quoi, quand? C'est quand même pas pire, là. Ça peut être un petit goûter ou un petit encas ou tu te réserves ça pour Noël parce que tu sais que tu vas recevoir, fait que ça fait pas cher, puis les gens t'aiment toujours ça. C'est sucré, puis la saucisse. C'est la saucisse. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine, mais va voir hein, la liste là, de Papa Popote. Je t'ai mis là, plein, des dizaines et des dizaines de super rabais, donc des fruits, des légumes, des céréales, des savons. Là, je te donne
les protéines, là. Mais tu sais, il y a bien plus que ça là, dans la liste. Puis c'est sûr qu'il faut en profiter. Donc, continuons tout de suite avec Maxi, chez Maxi, cette semaine. Écoute, il n'y a pas grand-chose. On dit, dingue de scrap en fait, protéines, là, c'est pas fort. Il y a des beaux spéciales, comme tu vas voir ma liste, là, c'est pas pire, mais si on regarde juste dans les protéines, là, écoute, c'est du sodium. Il y a plus de sodium que de protéines dans ce que je vais te conseiller cette semaine en spécial, parce que c'est des beaux spéciales quand même. C'est juste que c'est pas des aliments là, que j'aime tant que ça. Comme par exemple, la charcuterie paysanne. Écoute, 500 grammes, là. C'est sûr que pour faire des petits sandwichs, des lunchs, ça dépanne. Puis c'est cher la charcuterie, t'as là. Écoute, pour 500 grammes, 5,95, ça vaut plus que le double. Pour le 500 grammes, là, tu as plusieurs variétés, là, hein, à l'ancienne, forêt noire. Je sais pas si le plus pressé là-dedans, ça doit, parce qu'il marque là, tu sais, pas mal tout. Donc, c'est sûr que le plus pressé, c'est pas pire. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe la charcuterie, tu sais, c'est super salé. Il faut y aller avec parcimonie quand on consomme ces produits-là. Mais la fin qui est sûre, c'est qu'il est pas cher. C'est ça. Aussi, chez Maxi, une autre cochonnerie, des ailes de poulet. Mais ça, des ailes de poulet, c'est excitant. Flamingo à 5,78 la boîte. Donc, écoute, c'est sûr que si on est dans les prix, là, le plus bas prix que j'ai vu, c'est 4,99 pour les ailes de poulet comme ça, Flamingo, mais à 5,78, vraiment, on est dans les bons prix quand ils sortent en spécial. C'est ça le prix qu'on cherche, dans le fond. Aussi, mais écoute, chez Maxi, tant qu'à parler de sodium puis de gras, pourquoi pas parler de bon bacon? Bon bacon, 500 grammes, mais c'est pas cher pour le plaisir, pas le plaisir gastronomique, mais le choix du président cette fois-ci, à 3,96. 3,96 pour du bacon, 500 grammes, pour cette qualité-là. C'est sûr que c'est. On va l'essayer, hein? Il va être bon. Puis il y en a l'érable, il y en a plusieurs sortes. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine, c'est du sodium bord en bord. Continuons tout de suite avec Métro. Écoute, chez Métro, le bœuf haché. Le bœuf haché, là, cette semaine, tu l'as là, plusieurs variétés, mi-maigre, maigre puis extra-maigre. Donc, chez Métro, c'est celui que je pense qui est le plus avantageux cette semaine, qui est le bœuf haché maigre. À 2,99 la livre, ou si tu préfères 6,59 le kilo, versus là, le mi-maigre à 2,49 chez IGA. Donc tu te dis, OK, mi-maigre, 2,49 la livre, maigre, 2,99 la livre, donc 50 cents pour du passer du mi-maigre au maigre. C'est sûr que là, c'est plus avantageux là, le maigre. OK? Il faut qu'il y ait une pièce au moins et plus de différence entre chaque, là, entre le mi-maigre, le maigre et l'extra-maigre, pour que ça vaille la peine. Quand il y a moins de 50 cents, ben, tu vas prendre celui qui est le moins gras, c'est bien évident, parce que ce qu'on cherche, c'est la protéine, c'est pas le gras. Hein? C'est ça. Donc, écoute, chez Métro, le bœuf haché maigre, 2,99 la livre ou 6,59 le kilo, c'est super. Aussi, cette semaine, en fait, protéines, l'osso buco de porc. C'est sûr, c'est pas de veau, là, parce que c'est très cher, ça, l'osso buco, on le sait. J'en fais jamais, justement, parce que c'est trop cher. Mais quand il tombe en spécial, ben, ça peut être le fun de le faire dans le croque-pot, dans l'instapot, ou quelque chose qui est une mijoteuse quelconque. Puis ça sent bon, puis c'est réconfortant, l'osso buco. Il y a des bonnes petites recettes sur Internet, il y en a plein. Il y en a des salées, sucrées, il y en a des plus épicées, vraiment, ou tomateuses, là, vraiment tomateuses, avec sa vie, avec. Des petites pâtes là, comme des petits nœuds papillons là. C'est super bon. Donc le Soboko cette semaine à 3,99 la livre, tu peux faire 8,80 le kilo. C'est vraiment dans le bon prix pour ce qui est de le Soboko de pâtes. Tu sais. Aussi chez Métro, bon, écoute, le smoke meat, hein, le jambon fumé de mi-lune, là, il semble être sur le, si je comprends bien, sur le circulaire, là, il n'est pas coupé en smoke meat déjà. T'sais, il est déjà là, en demi-lune, donc en morceaux. Fait que ça, l'idéalement, c'est que tu le prends, tu le mets dans les tuveuses. C'est comme tu ferais cuire finalement du brocoli, t'sais, à la vapeur. Fait que tu fais cuire cette viande-là, tu la fais réchauffer à la vapeur comme ça. Là. Puis après ça, tu sors ça là, comme quand on va chez le smoked meat, là, t'sais, ça fume, il sort ça de là, puis il pique ça, puis avec son couteau, il nous fait des belles petites tranches minces, là, puis il nous fait une belle petite sandwich, un smoked meat écœurant. Puis ça coûte cher, du smoked meat, c'est effrayant. Puis, cette semaine, même en spécial, c'est pas donné, là. 3,49 la livre, où tu peux faire 7,69 le kilo pour du vrai smooth meat, là. Ça, ben, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ça peut être assez fantastique de manger ça, surtout si tu le fais toi-même, tu sais.
Moi, j'aime ça. J'adore ça, le smoked meat, mais j'en mange très peu parce que c'est mortel. Mais écoute, c'est ça qui est ça cette semaine. Écoute, pour chez Metro, tu vas voir, comme je te dis, là, il y a beaucoup d'autres choses que ça aussi là, dans le circulaire. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, cette semaine, ben, la poitrine et les hauts de cuisse, là, désossés. Donc, tu as le choix des deux. Parce que c'est du poulet, tu sais, le haut de cuisse, puis le suprême de poulet que j'appelle, c'est du poulet, c'est la même poule, mais c'est vraiment différent à la texture, au goût, puis la manière qu'on le fait cuire souvent aussi, c'est différent. Donc, écoute, ils sont au même prix, 3,99 la livre, ou si tu préfères 8,80 le kilo. On veut toujours savoir chaque semaine aussi qui se trouve la poitrine de poulet désossée. Puis cette semaine, il a juste une place, puis c'est chez Provigo. Que, tu le sais. Écoute, la semaine passée, je fais une parenthèse, il l'avait à 3,75. Hein, ça, c'est un super prix. Fait qu'à 3,99, là, c'est pas mal. C'est le top prix normalement pour à spécial pour cette protéine-là. Donc, c'est le temps de se faire des réserves. Quand il tombe en bas de ça, comme j'ai fait la semaine passée, moi, j'en ai acheté là, pas mal. Fait que cette semaine, j'aurais pas besoin de l'acheter. Mais si tu n'as pas acheté la semaine passée, ben, à 3,99, c'est ça que tu veux, ben, il y en a, c'est chez Profico. Aussi, écoute, chez Provigo, je t'ai parlé du bœuf haché tantôt, qu'il l'avait chez IGA, il l'a chez Metro et il l'a aussi chez Provigo, mais celui-là ici à l'Extremeg. À l'Extremeg, à 3,99 la livre, tu préfères 8,80 le kilo. Donc là, tu as les trois. Le mi-meg à 2,49 chez IGA, 2,99 chez Metro, le meg et l'Extremeg à 3,99. Donc, entre le Extremeg à 3,99 et le meg à 2,99, pas mal. Moi, je pense que le 2,99 là, à le meg, c'est le top prix. Le top prix, là, pour ce qu'on veut faire avec du bœuf haché, bien sûr. C'est là que tu l'as. Mais c'est sûr que si tu cherches vraiment l'extra meg, ben là, tu sais, ça va être chez Provigo, tu vas l'acheter parce que à 3,99, c'est vraiment le meilleur prix qu'on peut pas avoir là, pour de l'extra meg, normalement. Okay? On l'a vu par contre, là, deux semaines là, à 3,49 là. Pour de l'extrême, ça c'était vraiment exceptionnel. Là, parce qu'à 3,99, c'est déjà très très bon. Aussi, chez Provigo, ben écoute, le filet de saumon, on l'a pas vu la semaine passée, le filet de saumon. Comme ça, là, à 8,99 l'allée, ou tu peux faire 19,82 le kilo. Ça, là, écoute, c'est sûr, on va manger parce que ça m'a manqué la semaine passée, là. Mon petit saumon avec mon petit riz, mon petit brocoli, là, ça c'est mon petit souper, là. Un de mes soupers préférés, c'est certain, dans la semaine. Mais c'est pas le moins cher, hein, parce que même à ce prix-là, c'est sûr que moi, j'achète comme 800 grammes de saumon. Hein? Fait que si 1 kilo, 1000 grammes, ça coûte 20 piastres. 19,82, 20 piastres. Ça me coûte quand même à peu près un 16 piastres là, pour mon souper juste en saumon, à part le riz. Puis c'est sûr que tu une couronne, par exemple, de brocoli à 99 cents avec un petit riz que j'ai fait. Parce que c'est sûr que, t'as vu, hein, je te conseille des petits repas, toujours des repas super faciles à faire où tu n'as rien à préparer. Là. Tu prends des choses puis tu les assembles. C'est comme de l'assemblage, pas vraiment de la cuisine. Là. Tu ne commences pas à faire des tartes. Tu sais, quand tu prends, je ne sais pas, moi, un Kraft Dinner ou tu prends un sidekick, un riz ou une petite pâte, puis tu l'agences avec un brocoli puis une petite protéine. C'est pour te dépanner vite, vite, puis ça te prend vraiment pas cher. Mais idéalement, moi, des sidekicks, j'en achète parce que. Ça peut dépanner, mais idéalement, j'aime mieux faire mon riz la fin de semaine puis l'avoir toute la semaine après ça. Hein? Puis tu laves tes légumes aussi dans la semaine. Fait que quand tu viens ta salade, tu fais une petite salade vite, vite, tu prends une petite poignée de ça. Tu brosses tout ça avec un petit, là, je sais pas, une petite vinaigrette, le grec, là, avec ton petit poisson que tu mets ou quelque chose comme ça. Puis hey, écoute, là, tu as des soupers super, mais. T'sais, écoute, des fois, on peut pas avoir des soupers toto à 2 piastres non plus par personne. Là. Surtout quand on veut manger de la qualité, de la grande qualité, comme du saumon, là, c'est sûr que là, ça va coûter plus cher. C'est un souper qui me coûte là, à peu près 5 piastres par personne. Puis quand même, c'est pas cher, là. C'est vraiment pas cher parce qu'au restaurant, ça, c'est une affaire qui vaut au-dessus de 20 piastres l'assiette. Ça, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine. Donc, ça, c'est chez Provigo. Qu'est-ce que chez Provigo? Ah oui, aussi chez Provigo, il y a le côte, écoutez, les côtes de dos. Normalement, si tu dis tout le temps, c'est meilleur, c'est sûr, mais c'est plus cher aussi que les côtes de flanc. Hein? Parce que les côtes de flanc versus le côte de dos, ben, il y a plus de viande dans le côte de dos que le côte de flanc. Mais cette semaine, c'est le côte de flanc qu'il nous donne. Okay? Mais là, il nous donne pas cher. Fait que, tu sais, il y en a moins, il y a plus d'os, c'est sûr, il y a plus de pertes automatiquement. Hein? Il y a moins de viande. Et puis ça pèse la même chose d'une certaine façon. Donc, écoute, il combien? Il est 1,99 la livre ou si tu préfères 4,39 le kilo. Hein? La semaine passée, là, les côtes de dos étaient à 8,80 le kilo. Donc là, c'est la moitié, là, à 4,39.
pas tout à fait la part. Ouais, oui, la moitié, exactement la moitié, parce que dans le fond, 4,39 plus 4,39, on n'est pas loin du 8,80. Hein? Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine. Tu as aussi la demi-longe de porc, hein, à 1,99 la livre, ou tu peux faire 4,39 le kilo. Donc, c'est sûr, dans le porc, là, chez Provigo, ils nous donnent ces deux protéines-là, là, soit la demi-longe ou bien la côte de flanc. Donc, tu sais, quand même, si tu veux tester une petite marinade, quelque chose, des petits spirib, tu sais, ça peut être très intéressant avec la côte de flanc quand même cette semaine. Donc, tu sais, c'est chez Provigo que ça se passe. Donc, c'est ça qui est ça chez Provigo. Continuons tout de suite avec Super C. Finalement, chez Super C, c'est là qu'on retrouve la cuisse de poulet avec le dos, là, tu vois. La peau, tout là. On peut se faire un petit souper comme chez le barbecue, finalement. Comme chez Saint-Hubert ou chez Bernie ou peu importe la rôtisserie que t'aimes. On peut se faire un bon souper avec ça parce qu'à 96 cents la livre, si tu peux faire 2,12 le kilo, là, ça devient vraiment facile, puis le fun, puis ça donne le goût de le faire parce que là, tu sais que tu vas bien manger, puis ça coûte pas cher. Hein? Tout le monde va bien manger, ils vont en rester parce que tant qu'à en faire dans le four, t'en fais hein, pour que t'en restes là, toute la semaine, ça c'est sûr. Aussi, chez Super C, ben écoute, le porc haché extra maigre, à 1,99 la livre, si tu préfères, 4,39 le kilo. Là, ici, si tu mélanges le porc haché, par exemple, extra maigre, avec du bœuf haché mi-maigre pour aller chercher le gras qui te manque ici, tu sais, tu vas aller chercher un peu de gras, tu te fais des tartes dans ces deux protéines-là. C'est super, c'est merveilleux. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour le porc haché extra maigre chez Super C. Aussi, les cubes de bœuf à ragoût frais à 3,99 la livre, ou si tu préfères 8,80 le kilo. Vraiment, là, ça, là, les cubes de bœuf, c'est super parce qu'il est tout paré. Il est déjà tout coupé en cubes de bœuf, puis là, il est très sec à les saisir, puis tu peux faire une petite pâte thaï avec ça, ou un ragoût, hein, comme ça, ils appellent ça des cubes de bœuf à ragoût, mais moi, je fais jamais des ragoûts, je fais juste des cubes de bœuf, là, je m'en sers frais, à 3,99 la livre, ou si tu préfères, 8,80 le kilo, donc, tu sais, c'est les cubes de bœuf sont là. Aussi, les ailes de poulet, la cage. Hein, ça fait 2 ou 3 semaines qu'on l'a en spécial. Cette semaine, encore en spécial à 6,88 pour la boîte de 550 grammes. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça cette semaine pour la liste. Sur ça, je te souhaite une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.